Écoute, je dois aller me battre contre un type très méchant, Drex. Et je dois aller faire ça tout seul. Pourquoi ? Parce que je connais Drex, il est extrêmement dangereux. Il dépasse toutes les limites du mal. Mais tu l'as connu comment ? Qu'est-ce que tu dis ? Comment est-ce que tu as connu ce Drex ? Oh bah, je le connais. Plein de trucs. Plein de trucs. Pourquoi tu ne te contentes pas de dire à Henry que Drex était ton assistant ? Chouose ! Tu as déjà eu un assistant. Avant moi. Non, non, non. Et si c'était un piège ? Oh. Je vois. Je vais en prendre qu'un seul, alors. Ne mets pas ta... Qu'est-ce qui vient de se passer? Je sais pas. On dirait que je peux plus sortir ma main, c'est bizarre. Je t'avais prévenu que c'était peut-être un piège. Elle est sûrement cassée quelque part. Elle est juste défectueuse. Ouais, bien sûr. J'essaie beurre de cacahuète. Non, ne mets pas l'autre main. Mince. On dirait que les deux trous sont défectueux. C'était un piège. Un piège pour qui? Oh, j'en sais rien. Pour toi. Nous, n'importe quel imbécile qui fourrait ses mains dans ses trous. C'est fini, Drex. Attention, kid. Pourquoi? C'est moi qui ai l'arme la plus cool au poignet. Pourquoi je devrais... Pour ça. Hé hey. Oh. Eh bien, va chercher. Je t'apprendrai à me respecter. Ben oui. Un ou deux. Vieille branche. J'ai un petit cadeau. C'est quoi, une grosse boîte carrée avec un fond en tuyau dépliable? Attends que je te montre. Non, Drex, fais pas ça à Drex. Non, je rigole pas. Je l'ai trouvé. Drex. Laisse-moi entrer. Laisse-le tranquille. Drex, qu'est-ce qui m'arrive là? Tu les écoutes pas? Attrape-moi. J'arrive même pas à les gratigner. Bon sang, mais pourquoi? Parce que ce casque est soudé au neutronium et il a trois différents verrous magnétermo-atomiques. La seule façon de l'ouvrir, c'est avec une clé électronique spéciale. Est-ce que Drex t'a donné une clé électronique spéciale? Oh, bien sûr, laisse-moi l'attraper, elle est dans ma poche. Non, il m'a pas donné de clé électronique spéciale! Écoute, si tu peux pas m'enlever le casque, retire-moi au moins ce piège à cook exquis des mains. Oh, je peux te l'enlever. Qu'est-ce qu'il fait? Non, 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 j'espère, mais pas ça. J'espère. Tu m'as vraiment tiré dessus, là? Fiston, je t'ai posé une question. Attends, où suis-je? Tu peux répéter. Jasper, tu m'as vraiment tiré dessus? Oui, parce que t'es indestructible. Et regarde, maintenant, t'as les mains libres. C'est bien vrai. Maintenant, je peux faire ce geste. File à l'étage! Oui, monsieur. Peut-être que tu devrais aller faire une sieste. Une sieste? Drex, c'est en liberté. Je dois absolument m'enlever ce truc de la tête parce que pour l'instant, je suis inutile. Oh. Alors c'est à Henry d'arrêter Drex. Quoi? Vous plaisantez? Je peux pas arrêter Drex. Tu vas où, là? Je rentre. Tu rentres? Oh, allez, Henry, tu vas pas rentrer à la maison au moment où la ville a le plus besoin de toi. Cette ville a besoin d'un super-héros. Ou... au moins d'un assistant correct. Avec des talents, ou... ou quelque chose. Moi, j'ai rien. Où est sa man cave? Je vais vous dire où elle est. Donc vous disiez que vous cherchiez la man cave? Surtout, ne dis rien, je t'en prie. Il va lui dire, vous pouvez être sûr qu'il va lui dire. Tais-toi.
est la mancave? Elle est dans le parc de Swellview. Oui, joué, Jasper. Bien répondu, Jasper. Des fois, je raccourcis son nom. Ça donne Jasper. Je suis là. Où est-ce qu'elle se trouve dans le parc? Elle se trouve sur... près des jeux pour enfants sous le... sous le tourniquet. Sous le tourniquet? Tu vas venir avec moi? Mais pourquoi? Tu vas me montrer ce tourniquet. Donc, pour obtenir un super pouvoir, je dois me faire mordre par un drôle de lézard africain et une araignée poilue. Mordre par une araignée poilue. Non. Tu vois, nous allons combiner leur venin, puis faire bouillir cette mixture qui se changera en vapeur que tu viendras respirer. Je vais respirer de la vapeur de venin? Oui, ça va accélérer tes réflexes et préciser ta coordination pieds-yeux et mains-yeux. Donc ça veut dire que ça va permettre à Henry de bouger plus vite? Oui, si tu le reformules pour les nuls. Je sais pas, ça a l'air assez bizarre et dangereux, votre truc. C'est normal, puisque c'est les deux. Allons-y. Ah, attendez, non, je t'aime pas, toi. Pourtant, je suis un garçon gentil. Je n'ai pas l'impression que la mancave se trouve ici. Je crois bien que tu m'as menti. Non, je n'oserais jamais. J'adore la vérité. Je la considère comme ma petite amie et nous sommes dans une relation exclusive. Oh, tu trouves ça marrant? Non, quand je fais des blagues, personne rigole à part ma grand-mère et elle a même plus toute sa tête, donc... Quand je t'aurai défiguré avec ça, c'est toi qui auras plus toute ta tête. Bonjour. Wow, Kid Danger, tu viens de terrasser Drex. Je crois qu'il se relève maintenant. Tu devrais t'enfuir. Tout de suite. Encore toi. On veut jouer les grands comme son frère au Captain Man. C'est toujours mieux que jouer les minables comme Drex. Regardez, c'est encore Kid Danger avec ce gros méchant. Que quelqu'un appelle la police. Je vais peigner la pelouse avec tes dents. On ne peigne pas une pelouse. Imbécile. Ça suffit! Raté, et pas qu'un peu. Wow, intouchable. Hé, hey, regardez, c'est la police! C'est Drex! Kid, je vais te mettre une raclée de 10 000 coups de poing! Cool, je t'aide à compter. T'es prêt? Feu, go! Non, manqué. Zéro! Toujours zéro! Je suis là, t'es aveugle! Oh pitié, non! Un conflit! C'est quand tu veux. Comment peux-tu être si rapide? On ne se mêle pas des affaires des autres et on la ferme. Yeah.